Elle arrive. Yo les soldats, c'est Tipex, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo annonce qui va faire plaisir à tous les joueurs de squad. Le mode de la faction française sort en version bêta plus tôt que prévu et dans cette vidéo, je vais vous faire le tour de ce qui sera disponible sur le mode. Pour vous présenter tout ça, je serai en compagnie de Polo8 Gaming que vous connaissez sûrement et bien sûr en compagnie d'une partie de l'équipe de développement du mode qui, je le rappelle, s'appelle Tactical Collective. Je vous laisse regarder ça. Bon visionnage. Hey Polo, on arrive. Ça va? Bah ouais, on est juste à côté. Ça va et toi? Bah écoute, super, je suis super content d'être avec toi là, et puis on va aller voir les copains de Tactical Collective. Mais carrément, on va voir qui se passe sur ce mode. Ce mode FR qui devrait être disponible à partir de 21h ce vendredi 23 avril, le lien pour le télécharger est en commentaire épinglé. Et pour y jouer, il faudra rejoindre les serveurs qui l'auront installé. Je vous donne plus d'infos en fin de vidéo. Ah bah ils sont tous là, tu vois, ils ont tout préparé. Ils sont présents. Est-ce qu'ils ont pris la bière et les donuts? Ah, je sais pas. Bonjour messieurs. Hello. Hello. Salut. Salut. Bonjour. Vous nous attendiez. C'est ça. Vous avez pizza et tout ça, les donuts, non? Non. Polo voulait des bières, il a dit. Ouais, alors, moi les donuts à la limite, on s'en passe. Les bières dans le GBC, allez vous prendre une bière. Bon du coup, on a qui bah peut-être vous pouvez vous présenter. Ok, bon, moi c'est Boris, du coup je suis lead artiste depuis quelques mois et donc je m'occupe de la 3D en général du mode. Ok. On fait dans l'ordre, allez à moi, ok. Donc Marquis, donc je suis le manager du mode depuis mai de l'année dernière. En gros je m'occupe de la mise en place, de tous les projets qu'on a pour les modèles, etc. De toute la coordination. Ok, tu chapeautes un peu le truc. Et c'est ça, ouais. Moi je suis Mélina, donc je suis développeur ou plutôt intégrateur. Donc je récupère tous les assets que font les artistes et je les mets dans le moteur du jeu. Toi tu animes, voilà, tu prends les squelettes et tu mets en place tout ça dans le jeu. C'est ça. Ensuite nous avons Titou. Ouais, moi je travaille principalement sur tout ce qui est communication. Je gère la partie technique, parties techniques du mode et un rôle un petit peu de supervision globale et je suis sur le mode depuis 4 ans. Ok. Ah, Titou, c'est le vétéran. Le vétéran, oui. Je vois que vous avez mis des véhicules en place. C'est des véhicules qui seront disponibles sur la première itération du mode? Alors, les véhicules qui sont juste à proximité de nous, ils seront présents, oui, pour la sortie du mode, la bêta. Vous avez 3 versions du VAB. Ici, là, le premier véhicule sur votre gauche, donc c'est le VAB 127 PL127. Tout est fonctionnel. Bon, il y a encore des petits bugs d'animation, ce genre de trucs, mais ça va être réglé avec le temps. Mais il est fonctionnel, quoi. Donc vous pouvez voir, là, je vais tirer sur les cibles, par exemple. Ok, et au niveau de sa résistance et tout, c'est équilibré par rapport aux autres véhicules, aux autres factions, j'imagine? Oui, ça sera l'équivalent pour Squad dans MRAP. Ça sera notre transport de troupes. On pourra remonter à 8 dedans. Et c'est un peu le grand frère du TATPV des Canadiens quoi, dans Squad. Niveau résistance, c'est pas plus résistant. Quoi. Okay. Et vous allez en laisser un sur le carreau si on peut monter qu'à 8 là. Ouais, j'avoue. C'est vrai. On a prévu d'autres véhicules qui fonctionneront avec les VAB, etc. D'accord. Qui arriveront plus tard. À savoir que le VAB, on a créé donc tout le poste de pilotage. Si tu veux aller voir, tu as les petites lumières, tu as même les aiguilles quand tu démarres, etc. qui suivent les tours par minute, etc. et la vitesse. Ah oui, ça c'est bien ça. Bah tu vois ça, au niveau immersion, ça ajoute un gros plus de fait d'avoir de l'intérieur, quoi. T'as la version 12.7 à gauche et juste à droite c'est la version 7.62. On a mis une Mach 58. Ouais d'accord. Et les deux sont en open top, hein, c'est ça? C'est deux open top et si tu regardes, tu vois, c'est deux tourelles différentes. C'était vraiment la tourelle spécifique pour la 7.62 et la tourelle spécifique pour la 12.7. Voilà, vous voulez une démo de tir ou pas? Allez, vas-y. Bah ouais, carrément. Et le chargeur, les chargeurs n'ont pas la même capacité? Je crois que c'est pour la 702 c'est 200 et pour la 127 c'est 100 je crois. Ok, ouais, bon il y a de quoi faire quoi. Ouais. Oui, mais après tu as plusieurs caisses, je sais plus combien il y a de caisses, il faut regarder, il faut rentrer dans le véhicule, tu les comptes. Et donc il y a un troisième VAB. Et le troisième VAB c'est le VAB Ultima, donc c'est le VAB avec la 127 téléopérée. Ah oui, lui il a pas l'open top.
Il a pas d'autre. Et si on va dedans, il y a l'écran. L'écran avec de contrôle. Ouais, non, mais ça, c'est magnifique. Hein. Attends, on voit j'arrive. L'écran. Ah, bah, j'ai l'écran, d'accord. Et à savoir, ouais, voilà, à l'intérieur du véhicule, le tableau de bord, tu as l'écran qu'on a intégré, etc. Avec la distance et tout, ah ouais, propre. Non, mais quand tu appuies sur les trucs, on voit l'animation, il y a le personnage qui va appuyer sur les boutons sur l'écran, quoi, c'est génial. Je te montrerai, Tipex, après on inverse. Ouais, merci. Attends, je vais tirer un petit coup. Bah, du coup, vas-y, si tu veux, on échange les. Ouais, vas-y, je vais descendre. Les portails. Ok. Ah, ouais, ah voilà, oui, exact. Ah, énorme. T'as vu dedans comme c'est stylé? Ah, c'est stylé de ouf. Vas-y, appuie sur les boutons. Si je stabilise... T'as vu, il va appuyer. Ah, trop bien. Ouais, excellent. Ouais. Bon, les mains sur le volant qui sont mal mises, ça sera corrigé, les amis, hein, vous inquiétez pas. On a complètement zappé, mais on a mis de côté le GBC, qui est donc le camion de transport et le camion de logis. C'est le GBC 180, c'est l'équivalent des logis et des transports de squad. Bon, à savoir qu'il va être retravaillé, la modélisation va être un peu améliorée, et la texture aussi. Donc ça, c'est les véhicules qu'on aura donc à notre disposition sur la bêta, la première version qui sera disponible sur le workshop. Alors. Exactement. D'accord. Et à savoir qu'il y a plusieurs couleurs hein, de camouflage. Donc ça, c'est la version désert. Après, il y a une version forêt, une version Nations Unies aussi. Et l'idée, c'est de les adapter donc sur toutes les maps, que ce soit jouable sur toutes les maps. Exactement, dans tous les biomes différents. Ok, et dès la sortie du mode. Je pense qu'on va quand même rester sur des layers un peu désert. Pourquoi ? Parce que le personnage en lui-même, il a un camouflage désert. Et qu'on n'a pas fait pour le personnage le camouflage forêt pour l'instant, étant donné que c'est un placeholder. En attendant notre futur personnage qu'on va créer. Enfin, qu'on va créer. D'accord. Alors du coup, ça me fait penser à deux choses, ce que tu viens de dire, Polo. Donc dans un premier temps, on sera sur des maps donc désert. Alors si j'ai bien compris, on n'aura pas accès directement à la map Mali. Non. Okay. Elle sera pas accessible. Pour l'instant, la map malienne, il y a encore beaucoup de boulot à faire. La faction en elle-même sera jouable sur les maps de squad bien avant qu'elle soit jouable sur les maps concrets, quoi. Ouais, ok. Et du coup, deuxième chose, là on a parlé du caractère design du soldat français. Là, c'est tout simplement, tu me dis si je me trompe, Marquis, mais le camo du treillis du soldat français sur le caractère design du soldat britannique, c'est ça ? C'est exact, c'est exact. Pour simplifier les choses, on a récupéré tous les personnages anglais sur lesquels on a juste retexturé l'uniforme, enfin les couleurs de l'uniforme français, donc désert, daguet. Et ça rend bien, hein. ça donne le change, histoire de pouvoir se battre. Tu vois, si on veut mettre français contre anglais, bah, que les couleurs soient moins différentes. Ouais. Et ça, mais par contre, on est d'accord que vous allez modéliser complètement tous les uniformes de la faction française plus tard. C'est ça, on a déjà commencé. On a déjà commencé, ouais. Ouais. C'est Joe qui est dessus, il y a des screens sur le site. D'accord, et vous imaginez que ce sera prêt dans combien de temps à peu près, si vous avez à peu près une date? Quelques mois encore de travail. On commence à faire des prototypes de personnages animés, mais on n'est pas. C'est encore assez lointain au niveau avant que ce soit un jeu. On commence à avoir des modèles qui s'approchent d'un modèle jouable. Je pense que le personnage français, faut l'attendre plutôt vers la fin de l'année. Ok. Pour donner une date, on y verra beaucoup plus clair vers la fin de l'année. Cadeau de Noël, Polo. Ouais, excellent. C'est pour ça qu'on s'est dit autant récupérer un personnage déjà tout fait, le repeindre et derrière l'utiliser tout le long de l'année, ce qui nous permet de nous concentrer sur d'autres choses, tu vois. Donc le personnage est en cours et il arrivera plus tard. Ok, et du coup, bah, ça fait une transition parfaite sur les différents kits. Je sais pas, on peut aller peut-être voir vos kits qui sont disponibles. Ouais. Comme vient de le dire Polo, on va passer en revue les kits et plus particulièrement les équipements qui seront disponibles sur cette première version de la bêta. Donc comme vous l'avez vu dans ma précédente vidéo du mode, nous aurons l'occasion de partir au combat avec le FAMAS F1. Il sera disponible sous plusieurs versions, une version sans lunettes de visée, juste avec l'œil ton guidon qui pourrait être modifié pour le plus grand plaisir des puristes. Une version avec une lunette aimpoint. Ah ouais, il y a la petite gâchette au-dessus là, qui recule et tout. Et une version avec une lunette J4.
Mais je sais. J'entends déjà tous vos commentaires me précisant que l'armée de terre est passée au HK416. Bien sûr, les développeurs sont au courant, mais il faut que je vous précise quelque chose d'important. La première faction française que nous aurons l'occasion de jouer sur Squad sera équipée de l'armement que pouvait avoir un soldat français dans les années 2010. La modélisation d'un FAMAS valorisé et d'un FAMAS félin est prévue un peu plus tard, mais pour jouer en partie avec l'HK416, il faudra attendre la sortie de la faction française équipée avec les armements des années 2020. Cependant, j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous pourrez tester l'HK416 sur le terrain d'entraînement, le Jensen Range, en prenant la classe Marksman comme vous pouvez le voir sur ces images. Donc vous l'aurez compris, il y aura plusieurs factions françaises dans le futur, mais on va se focaliser sur ce qui est aujourd'hui disponible. Après le FAMAS F1, nous avons la Minimi qui sera équipée d'une lunette J4 également. La FN Mag 58. Ouais, puis il a une grosse cadence de tir, hein. À savoir qu'on va éventuellement rajouter dessus une scope, donc le Elkan Spectre. C'est quoi, c'est du x1? C'est du x4. Le fusil de précision FRF2. Ouais, il y a un petit bug au niveau de quand tu zoomes. Ouais, c'est vrai, ouais, juste au moment où tu... Ouais. Mais ça, c'est pareil, on le corrigera avec le temps. Pareil, la texture et tout ça, il est beau. Le bois, il fait vraiment effet ouais. Bois, quoi. Alors, le modèle 3D, il a été fait par BioHawk, et la texture par Baby James, et la lunette par Titounet. Concernant le HK417, il sera disponible un peu plus tard pour la faction française de 2010, mais les développeurs doivent encore travailler dessus. Cependant, comme vous pouvez le voir, il sera également possible de le tester sur le terrain d'entraînement. Le kit grenadier disposera d'un FAMAS et il pourra tirer des grenades à fusil. Pour le moment, il n'y a pas d'organe de visée lorsque vous tirez une grenade, donc il va falloir s'entraîner un peu pour être précis. Le kit ingénieur aura à sa disposition une mine anti-char et du C4. Le kit light anti-tank sera équipé de grenades à fusil AC-58. Et le kit Heavy Anti-Tank sera équipé d'un lance-roquette AT-4. L'AT-4, on l'a totalement refait. C'est pas le même modèle que le modèle américain, donc on a refait totalement le modèle. Et à savoir que l'animation n'a pas été faite. C'est pour ça que t'as les trucs qui volent. Bien sûr, les grenades frag et les smokes sont également de la partie. Le métal est vraiment super bien fait. Concernant les jumelles, les squad leaders et les snipers seront équipés de jumelles Vector qui permettront de déterminer la distance d'un véhicule ou autre en faisant un clic gauche. C'est des jumelles qui te permettent de, quand tu cliques gauche. Ouais, t'as la range. Ça jusqu'à 1500 mètres de distance. C'est basé sur le taux. Ouais. De viser jusqu'à 1500 mètres. Les autres kits disposant de jumelles auront des jumelles de type Ensault. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de l'équipement qui sera disponible sur la première version bêta du mod que vous pouvez dès à présent télécharger sur le workshop Steam du jeu Squad. Je vous mettrai le lien du mod en commentaire épinglé. Je vous mettrai également un lien Google Drive qui vous permettra d'avoir accès à un document PDF précisant ce que les développeurs ont prévu de sortir pour la faction française. Je vous invite vraiment à aller le consulter, ça répondra à beaucoup de vos questions, à savoir quels véhicules seront disponibles. Je pense notamment au VBCI, au Charles Leclerc, au VBL Milan, au NH90, etc. Et si après avoir lu ce document, vous avez encore des questions, vous pourrez les poser sur le Discord du mod. Mais pensez juste avant à lire la FAQ. Hein. N'hésitez pas aussi à laisser un message d'encouragement et de remerciement à l'équipe Tactical Collective, car ils le méritent et ils auront besoin de tout notre soutien pour finaliser ce mod de la faction française, qu'on rêve tous de voir intégrer la version de base, la version Vanilla du jeu Squad. Allez, on va terminer en beauté avec les frappes que le commandant pourra déployer lors d'une partie. Et on se retrouve juste après parce que j'ai encore quelques informations importantes à vous donner. Dis-moi toi quand t'es prêt. Vas-y, je suis prêt. Je commence par le rafale. Vas-y. Elle arrive. Oh là là. Ah ouais, hop. Bon. Magnifique. Bon, il y a le bug dégâts qui fait que le véhicule est pas détruit. Ça a manqué de précision un petit peu, mais...
Cible manquée, par contre. Ok. Bah, tu sais quoi, on va lui envoyer le tigre. Avec plaisir. Il est costaud, le Vab. Ouais, il résiste, hein, putain. Il a pas raté sa cible, lui. Hein. Ah, toi, c'est bon. J'ai le 150 mm encore, au cas où. Hein. Ouais, donc là, ça envoie. Donc, il a deux attaques, en fait. Il a quoi? Il a des roquettes plus du 30 mm. Une grosse rafale, en fait. Exactement. Il arrive, il tape ses roquettes. Ensuite, il tourne. Et il tire deux fois au canon. Ouais. Ça envoie, ouais. Enfin, j'aimerais pas être en dessous, par contre. Non, on est mieux ici. Eh bien, merci beaucoup les mecs pour cette présentation, bravo pour votre boulot, et puis on espère vous voir sur le terrain du coup avec le mode France. Ouais, merci à tous, merci Marquis, merci à toute l'équipe de Tactical Collective, hein, et puis toutes les personnes qui travaillent dans l'ombre sur ce mode. Et puis bon, nous on va repartir en véhicule, hein, je sais pas, avec Polo, on va récupérer les bières, les donuts et les pizzas, et puis on vous dit à très bientôt du coup. C'est gentil les gars, et puis... On fait bien gaffe, il y a des points en route. Hein. Allez, ciao les... Ça c'est Polo qui conduit, ça va aller. Ouais, je fais le Sam. Allez, ciao. Allez, salut. Allez, ciao. Bon, c'était cool, hein, Polo. Eh bah ouais, impeccable. Du coup, faut qu'on se fasse une escouade tous les deux, un de ces quatre, là, qu'on joue sur ensemble. Avec grand plaisir. Mais toi, en squad leader, pas moi. Si tu préfères. Voilà les amis, cette vidéo s'arrête ici, mais avant de vous laisser partir télécharger le mode, il faut savoir que seulement 4 serveurs de test joueront ce mode dans la recherche de serveurs classiques. Je préciserai lesquels en commentaire épinglé, mais ne vous inquiétez pas, il sera également possible de jouer avec le mode de la faction française sur les serveurs custom qui l'auront installé. Surtout n'oubliez pas que c'est une bêta et que vous allez sûrement rencontrer des bugs qui seront corrigés par la suite. Et pour finir, cette interview avec l'équipe Tactical Collective a duré presque 2 heures et j'ai essayé de résumer le tout en moins de 20 minutes. Beaucoup de choses intéressantes ont été dites, certaines avaient déjà été évoquées sur ma première vidéo du mode, mais comme vous vous en doutez, je n'ai pas pu tout mettre, donc je vous invite à aller regarder la vidéo de Polo qui a aussi sorti une vidéo sur le mode au moment où je vous parle. De mon côté, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien. See ya les jeunes.